Oh, et tempête tropicale, Laura qui est toujours en actualité, parce que lui quitte le pays d'Haïti, lui quitte ses domaines, glalé, mais c'est quel, en français, on dit c'est quel, sale qui était derrière, toujours présent. Par exemple, nous sommes capables de dégâts qui fait rivière froide, dégâts qui fait cité soleil. Nous connaissons deux départements qui plus touchés, c'est sud-est avec l'ouest. Et nous talents cité soleil, situation sur cité soleil là, les graves en pile. Et nous sommes capables de témoignages poignants, français a dit, écœurants qui pour dans triple temps de madame ça, les dit de l'eau a brotté l'un côté, coup de zam on l'autre bord. Donc lui dit l'obligé camper, il pas qu'à faire mouvement parce que y a petit en bas et puis gros de l'eau yon l'autre bord et son situation compliquée et soit moun yo gen moun ki di c'est sous bloc yo te réussi fond dormi gen moun ki pas dormi du tout. Donc situation très très compliquée. Donc 20 moun mouri, gen 5 l'autre qui disparaissent, c'est dernier bilan que nous gagnons dans moment n'a pas là ou bien dans moment c'est ça qui vient joindre nous. N'a pas pour nous faire un programme après-midi à un coup de pied tout en République Dominicaine. Côté que grand pile dégâts qui fait, grand pile monde qui pas gain électricité, qui pas gain côté priorité, qui pas gain de l'eau pour boire et n'a nous capable dans programme après-midi à n'a gain un reportage un confrère nous dans un confrère haïtien, un journaliste haïtien qui est basé en République Dominicaine, plus précisément dans Santo Domingo, en parlant de Édouard Saint-Jean, lui-même l'a banon petit détail parce que t'es une conférence de presse et bureau et emergency, bureau d'urgence secours République Dominicaine qui lui-même t'es ba en conférence de presse pour dire qu'il y a une situation y est. Donc n'a gagné Édouard Saint-Jean depuis République Dominicaine. Et puis il n'a pas quitté pas pandémie, n'a pas quitté et tempête tropicale Laura pour entrer dans la politique. Il y a le président Jovenel Moïse rencontré dans le Palais national. Il y a l'autre groupe. Nous disons l'autre groupe parce que ça, la semaine dernière, soit jeudi, il était rencontré avec un groupe de monde qui a réfléchi sur la nécessité pour changer la constitution. Mounio font un document, il a porté le président Jovenel Moïse. Et hier encore, il y a l'autre groupe encore qui vient avec même réflexion sur la nécessité pour gagner en constitution. Donc, il y aurait mettre président Jovenel Moïse avec même commentaire que président Jovenel Moïse en général habitué faire. Et puis surtout, gros information qui tombe hier là, c'est que président Jovenel Moïse presque arrivé dans la quantité monde que le besoin pour former conseil électoral provisoire. Nous connaissons il doit y avoir 9 membres qui sont dans plusieurs secteurs. D'après ça, il dit dans la rencontre là, il était gain 7 et il peut côté prendre rapport joie. Ça veut dire que dans le moment n'a parlé là, nous pas connaître ce que arrivé à 9 monde qui pour former conseil. Et grand pile monde qui te pensait que ça t'apprend très difficile pour président te joindre 9 moun yo parce que grand pile secteur qui dit tu t'apprend pas t'apprend aller seul on te connaît que la presse te dit pas t'apprend aller. Et donc mais nous voyons que président dit la 7 moun donc il presque arrivé dans le moment pour le conseil électoral provisoire. Donc tête droite lui dit c'est vers les élections. Pendant ce temps tout question constitution toujours dans actualité, nous voyons que il recevoir deux groupes déjà. Mais n'a pas gagné un programme dans tout, n'a pas gagné déclaration président Jovenel Moïse, mais n'a pas gagné tout déclaration ancien sénateur Steven Benoît qui lui-même est pas d'accord avec démarche que président a fait sous question constitution. Et monsieur Steven Benoît ancien sénateur dit que président perdu toute légitimité pour le rentrer dans exercice comme ça pas gagne quelle légitimité. Et donc n'a ouais déclaration ça yo dans le programme après-midi, donc, puisque son appel sur ma banou, donc, nous avons une déclaration président Jovenel Moïse avec Steven Benoît sous question ça. Et puis après, nous avons dans la province, nous avons deux pièces sur la province. Et d'abord, nous avons un ancien commissaire, qui c'est commissaire Enoch Genelus, qui portait plainte dans le paquet Gonaïve contre ancien sénateur Yuri Latortue. Il dit que sénateur Yuri Latortue lui-même tout li mêlé dans dilapidation fonds Petro Caribéa parce que il dit que monsieur parlait de Yokob que sénateur ancien sénateur a mal géré qui est à 134 millions goudes, c'est un fonds d'urgence qui a été débloqué pour Gonaïve parce que Gonaïve t'a pas le recevoir carnaval national là en 2014. Donc il dit comme ça gagne fait fond. C'est le deuxième homme politique, nous entendons, qui est dans Gonaïve,
nous tendez que gagnent un bruit sous doyo comme quoi il est amené dans Petro Caribe gain ancien sénateur ancien député ancien président chambre député à Scholzer Chancy qui lui-même il gagne on firme qui c'est TEC qui c'est en firme familiale qui t'avait dit qu'on travail que tu gagne pour te faire t'as semblé que pas fait travail là ou bien d'après ça qu'a dit sur résolution donc ça veut dire que gagnent Youri la tortue que yo pote yon plainte pour lui dans paquet tribunal Gonaïve. Et puis correspondant nous Exalisme je n'a présenté un reportage sur lui li même il était fait le devoir de aller rencontrer avec commissaire gouvernement qui se met Serard Gassius et pour nous pas comprendre avec Gérard c'est Serard Gassius qui lui même expliquait que effectivement que lui recevra plainte ancien commissaire et puis donc il acheminé devant juge d'instruction et juge d'aller même la gain pour rencontrer avec plaignant rencontrer avec moun yo accusé et puis aller vérifier tout parce que gain des bagages que reprocher ancien sénateur donc gain moyen pour vérifier yo. Donc n'a gain déclaration monsieur et commissaire gouvernement sera Gassius. Et puis donc nous pouvons parler personnellement avec monsieur la tortue et Youri la tortue qui lui-même croit que et plainte ça c'est une manœuvre politique. Il dit c'est une manœuvre politique liée. Donc nous-même n'a pensé ouais quand même pour nous ta gagner et faut attendre déclaration monsieur Youri la tortue s'il t'a vraiment opiné sous question. Et puis dans l'autre point dans actualité là et international là nous connaît que hier c'était coup d'envoi convention nationale parti républicain semaine dernière c'était avec démocrate semaine ça c'est avec républicain et t'es gagné délégué et ben yo voté officiellement que président Donald Trump avec vice-président Mike Pence c'est eux qui pral rencontre c'est eux qui pral représenter parti républicain non présidentiel novembre 2020 en face ancien vice-président Joe Biden et sénatrice Kamala Harris. Tu as plusieurs monde qui te prend la parole, ancien ambassadeur Nikki Haley, tu as Donald Trump Jr qui te prend la parole, gain sénateur noir Scott Mill qui te prend la parole. Donc il y a plusieurs gros têtes dans parti républicain qui te prend la parole et jodi a après deuxième journée, je crois que première dame nan a prend la parole jodi a et en parlant de Melania Trump la prend la parole et jodi a et me crois tout que secrétaire d'état américain Mike Pompeo t'a supposé tout prend la parole jodi a donc jeudi président a gen pour faire un discours d'acceptation cette même structure là l'a gen pour faire un discours d'acceptation tout pour lui-même il dit est-ce que li d'accord avec et le fait que choisi là mais nous connaît que le pral d'accord c'est structure là qui connaît c'est protocole là qui concerne et puis n'a bien pour nous tout dossier pandémie coronavirus là et avec Serge Rodriguez qui lui-même trouvait dans Silver Spring mes amis nous pratiquement arrivé dans petit cause ça nous fait ensemble c'est toujours un plaisir pour nous gagner ensemble et nous saluer tout le monde et super branché yo monde qui toujours été fidèle qui toujours là et nous saluer nous Junior Kembela et Palagé et puis Jean-Daniel Désir nous monsieur Sao toujours Kembela avec nous et Adeline toujours là tout mais grand pile monde moi pas ouais qui aller me parler Esteban Jodia moi gain longtemps pas ouais Clérice Joseph gain monde qui dit mieux là mais pas paraître bon c'est un choix donc on pratiquement arrivé dans fin merci pour attention nous merci pour fidélité nous mes amis Kembela Palagé donc rendez-vous à demain pour live là mais pita nous pral nan programme rendez-vous info qui sont programme d'information de nouvelles et d'actualité donc merci c'est un plaisir comme d'habitude pour m'té avec nous pas oublier attention pas capon mettre cove et corps grand monde pas jouer nous pas gain de corps nous pas un corps de rechange donc on nous suit tout conseil à conseil que autorité sanitaire mettez devant nous moi c'est Jacques Lebelizer bonsoir moi remet tout le monde même j'en nous même dans tout OK moi t'es dans Belleville dans l'État
mais ou là quelque temps que me pas font déplacer même après la semaine si me ta font ti déplacer pour aller l'autre côté peut-être que nous pour nous pour changer de décor. Merci et à bientôt ou bien plus tard dans rendez-vous info et puis à demain pour prochain live là. Nous connais demain matin comme d'habitude nous gagne rendez-vous avec Jean-Robert Philippe lui-même qui va nous plus d'informations que me ba nous parce que lui-même est objectif pas là différent. Objectif pas normalement pas de rester avec nous en plus quoi c'est par amour quoi. Et parce que c'est on aperçoit de ba nous sous programme après-midi. Mais nous connais toujours pour plaisir avec nous. Merci en pile et à bientôt. Hey, bonjour. Bonjour tout le monde. Habitant pour nous. Quand c'est mon cap monté. Signal, signal. Who is number one? Eh bien, je pense que c'est un cas là, au moins, il y a un conseil assemblé. Donc, nous, même qui là, restons à genoux dans route. Donc, nous allons faire appel là. Et alors, Jean-Robert Philippe, je salue nous. Et je dis nous que le grand point qui a dominé l'actualité aux États-Unis, c'était la première journée de la Convention nationale Parti républicain qui déroulait dans Charlotte, dans Caroline du Nord. Le président Donald Trump a fait déplacement lui-même. Et côté délégué, en fait 336 délégués, donc son nombre réduit, parce qu'il y a 6 représentants par État et territoire qui fait déplacement et qui au moins étaient capables dans la salle côté conseil à dérouler. Donc les délégués ont choisi à l'unanimité le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence pour représenter parti dans l'élection présidentielle novembre. Contrairement avec le temps passé, ni démocrate du tout. Le président Donald Trump fait déplacement lui-même et il était même prend la parole même devant les délégués. Ça qui d'ordinaire dans la convention nationale du parti, que ce soit le parti républicain ou le parti démocrate là, et candidat est toujours été dans un niveau qui est bas et jusqu'à ce que Joe l'a fait discours et pour accepter nomination parti. Donc le président Donald Trump il fait pas là le contraire et dans le discours, dans la allocution que le fait devant les délégués, et bien les délégués, et États-Unis, l'élection ça sont une élection historique pour États-Unis. Et il est capable d'entrer dans un moment terrible, car vivre un moment terrible dans l'élection. Tout comme tout le monde vivre dans un moment, un meilleur moment. Donc nous allons comprendre pour qui raison que la déclaration ça, ça veut dire. Donc si nous élisons. Et donc, quelque chose, ça dépend des résultats de l'élection. Donc, les délégués, en fait, attention, tout est changé, tout. Ils sont sortis dans Charlotte, ils sont allés ici, Washington DC. Et bien, côté que discours, orateur, et comme se fait discours, que ce soit des discours en direct ou bien discours pré-enregistré, côté de chanter louange pour le président Donald Trump. Et peut-être pendant le cadre de la convention, chercher à convaincre les électeurs pour qu'on ait une meilleure façon. Et pour qui raison que l'électeur doué par le président Donald Trump a un autre mandat 4 ans et pour continuer à diriger les États-Unis. Et bon, c'est ça, nous pour aller. Donc jeudi, c'est le deuxième jour à côté de l'autre orateur. Tout. Et alors, je rappelle parmi les orateurs, il y a la famille Trump, il y a ses membres d'administration, il y a les leaders politiques, tout, il y a tout. Et les leaders du Parti républicain. Quelqu'un pour prendre la parole, mais il y a une exception, il y a peu de républicains qui ont républicains qui ne prennent pas la parole au PICA ou qui ne figurent pas dans la liste orateur pendant 4 jours et session ou convention en lab durée. Il y en a dans le cadre c'est ancien président républicain George W. Bush qui parle en orateur et très probablement général, ancien général Colin Powell, papa mignon orateur tout.
et tout comme et sénateur Mitt Romney qui sont ancien candidat républicain dans l'élection présidentielle pour le parti républicain, eh bien lui même tout non il pas figuré sous liste comme monde qui prend la parole dans ces circonstances alors que c'est des républicains gros calibre mais qui étaient probablement il y aura un désaccord avec le leader républicain en appareil de président Donald Trump. En Haïti, bilan partiel quantité monde tempête tropicale Laura touyé pendant passage li en Haïti et bilan monté à 20 morts. 20 monde qui mouri et gen 5 monde que ou pas joindre, que ou pas joindre, nous relé 5 monde qui disparaît. Donc gen 20 monde qui mouri et 5 monde qui disparaît, ça c'est bilan provisoire et responsable et bail pour pendant passage et ouagan semble ouagan et tempête tropicale Laura semble l'autre dégâts encore dégâts matériels jardin qui écrasé mais n'a dit que département l'ouest avec sud-est c'est deux côtés qui pi affectés pendant passage et tempête tropicale Laura et eux même parlé que bon l'autre tempête tropicale qui a formé et qui était probablement capable menacer pour frapper Haïti encore et n'a croisé doit nous sous question ça. Et ça qui gagne encore et puis président Jovenel Moïse dans l'espace de une semaine quelques autres organisations qui viennent qui présentent président Jovenel Moïse un rapport une proposition rapport sur le changement constitution président Jovenel Akeyo et li font un discours dans ces circonstances donc ça fait deux propositions et amendements constitution que des organisations et présenté par le pouvoir. Dans l'allocution président Jovenel Moïse fait dans ces circonstances-là, eh bien, il parlait de élection. Il dit que l'élection, c'est dans l'élection qu'on prend le pouvoir. Donc, pas rien à faire trois mouns réunis non au salon. Avec on m'a répété exactement ça, le désir avec une bouteille de champagne ou bien un bon bouteille du vin dans main yo, il y a boire et puis en tout temps, il voulait pour prendre pouvoir sans pas aller dans l'élection. Il demande des électeurs autour. Il dit bulletin nous gagnant, ces bulletins ça sont outils que lié dans main nous, sont outils que nous gagnons pour nous capable et choisir qui nous voulait pour diriger nous. Donc il dit c'est ça pour nous dire, c'est ça fait nous gagner quatre électoral par ça nous gagnons main nous. Mais pas oublier que l'opposition a beaucoup de parler même tout, il a déjà formé une alliance qui plusieurs forme un document, donc une alliance qui forme même pour que et pour que gagne élection dans le pays a sans Jovenel et sans président Jovenel pour gagner élection et que Alain Sarkisien document Sarkisien vendredi passé a qui toujours ouvert pour l'autre parti l'autre monde vient signer toujours et ben lui-même il visait et que objectif d'abord c'est pour que président Jovenel Moïse remette pouvoir et parti ben quitter pouvoir 7 février 2021 alors que dans toute démarche et toute déclaration même dans rencontre semblé après rencontre président Jovenel Moïse gagné avec secrétaire d'État américain Mike Pompeo et mais après rencontre ça il a déclaré même que doit que lui-même la première pouvoir par un président élu 7 février 2022 et que année 2021 c'est une année électorale côté pour organiser élection. En parlant de élection, nous connaissons que le conseil électoral qui était là, le conseil électoral a démissionné en bloc. Donc et d'après la déclaration du président Jovenel Moïse, il dit qu'il a déjà gagné 7 sur un total 9 membres pour formation conseil électoral provisoire. Donc 7 membres, 7 institutions qui déjà vos représentants déjà pour formation conseil électoral provisoire. Nous rappelons que pour le secteur de vos désignés représentants, là c'était le secteur vaudois qui était désigné et représentant. Et puis, nous avons fini avec une bonne petite note. Un bon petit note que je dis à c'est 25 août, c'est fête mon monde, c'est fête patronale. Et je ne compte toute fête, non, mais je me suis songé parce que j'ai des relations avec la zone Sayo. Et c'est fête Saint-Louis. Fête Saint-Louis. Et grand pile côté Cap Saint-Louis, parmi eux, il y a Jérémy, qui a célébré Saint-Patron, qui c'est Saint-Louis. Donc je dis à son gros fête lié dans un gros fête champêtre. Non, à pratiquement par contre si c'est après fête au Cap là, après fête Notre-Dame, après fête Sao, si c'est pas prochain côté que célébrer l'autre fête, mais nous connaissons tout que l'autre fête Cap vient tout pendant toutes et toutes vacances. Donc m'a dit tout le monde qui c'est mon Saint-Louis, tout le monde qui est mon Cap fête Saint-Louis, que ce soit
côté qui gagne Saint Patron qui est le Saint Louis. Et est-ce que et Jérémy, est-ce qu'une balette ou pas gagne Saint Louis tout là dans ligne et qui bon encore gagne tout gagne localité même qui est Saint Louis en même. Mais tout côté ça cap célébrer m'a dit quand bonne fête et bonne célébration. Malheureusement, fête Saint Louis Salvini, la célébration l'autre façon parce que COVID-19 là, ben coronavirus ça pandémie a bien fait que nous changer façon que nous devons célébrer et Saint Patron façon fête champêtre dès qu'on donne mais ça va empêcher à bien fête quand même. Donc c'est bilan donc c'est et qui déjà nous l'ouvrir soit fait et tempête tropicale encore qui une fois qui cap fois pas Haïti encore et recherche à continuer tout et hier nous avons un bel reportage que Jean-Min et quoi Machado vient m'était présenté nous mon dans cité soleil que l'eau envahit yo. Donc nous racontons qui difficulté qui dégaine donc n'a c'est salut tout le monde et bien abdou passé une très bonne journée moi même n'a rencontré à vous encore dans il est encore nous rencontrer demain sur même podium non Jacqueline Belize entre temps il parle avec nous il trouve nous nous donc il vient pour venir parler avec nous encore et puis tard dans journée pour lui dire nous principal point que il censé a développé pour nous dans l'actualité internationale là et même dans l'actualité locale c'est qui ça que n'a présenté pour et qui ça nous pour nous et l'a préparé pour nous dans le journal radio sur télévision et jeudi mardi 25 août 2020 bye bye tout le monde passez une très bonne journée nous rencontrons encore.